لا مالكم معناتها مش تسمون فيها هي تسمون في نحن بالدي بالدي دونك باش نعطيك كلمة قبل كل شيء الديريكتور ماركتينغ نتاع هواوي باش يحكي على شوية على ديسكفر تونيجيا قبل ما نحكيو على ديتاي تكنيك نتاع اليوم. مرحبا بكم. ماش ديسكفر تونيجيا نورمالمون الجماعة الكل في بالكم الكونسيبت والإيدي اللي نحبش نحكي حاجة في اللونسمون بلوف. Discover Tunisia, c'est un concours concept basé à PNF, avec les deux lentilles. La Tunisie via le téléphone. Fit, barcha, fonctionnalité. On a commencé à faire des tests côté technique. On a commencé à faire des tests, on a eu un robot très plat, vraiment très beau. D'un point de vue bien sûr technique, les hawa l'output à l'appareil, mais surtout le paysage, les lignes photos, les hawa, une barca, une barca blaise, Halloween à l'autre. L'occasion avait, c'était de lancer avec les spécialistes de la photo, on va dire, les marketeurs, c'est pratiquement Michael Morgan, Inch'Allah. De contribuer à faire la découverte de Tunis via le PNAF. Ça s'appelle Discover Tunisia by PNAF, le nouveau flagship, le nouveau mobile flagship de Huawei. Ça va s'étaler sur une période de 4 à 5 semaines. L'ensemble des personnes présentes Huawei va avoir le PNAF, pour les bâtons d'un côté logistique, mademoiselle Maoua va vous briefer là-dessus. Donc on va commencer une vague de photos chaque semaine, étalée qui marque comme sur 4 semaines ou 5 semaines. Tout le monde va y participer sur une plateforme qu'on va uploader. Chacun de vous aura un login et mot de passe sur la plateforme où il y a plein de photos durant la semaine, à peu près on fixe entre 5 minimum et 20 maximum. Je serai une escole, elle y participe. On aura du contenu pour plus tard. L'idée elle-même n'est pas juste de faire une collecte de photos, elle est basée sur le Modro, du Penal, etc. Elle fait une fonctionnalité très finie, mais la finalité interne, c'est de faire découvrir aux gens le beau coin de la Tunisie. Bah, les 4 ou 5 semaines, on aura, Inch'Allah, un vernissage, vos photos. On va faire un jury de 4 photographes professionnels et les meilleurs d'entre vous par une personne mis en photo. On aura pratiquement chacun il aura 1, 2, 3 photos de vernissage. Tout le monde va être présent, va être représenté par ses propres photos. Vous êtes à partir de ce moment, vous êtes officiellement invité au vernissage. Inch'Allah, ça va durer entre 5 et 7 jours avec un opening, une ouverture professionnelle, jury professionnel, on va dire amateur et amateur de photo. On ne veut pas faire la confusion entre amateur photo et pro de la photo, non, pas du tout. Mais c'est beaucoup plus lifestyle, etc. Une catégorie bien spécifique. Ou avec les photos classiques, on va dire, les romans, les kiff kiff. Les 4 personnes, les photographes vont avoir aussi un petit coin, le vernissage, et les chikoul, dont je vous fais l'exprès. Donc ça va durer entre 5 et 7 jours. Chez Joufi, c'est grand public, ouvert grand public. Quoi d'autre? Nora Inch'Allah, Calmo, les photographes. Certains photographes, il y a une carrière de voire même plus de 30 à 40 ans, M. Calmont, Inch'Allah. Et pour faire en sorte que les lifestyle bloggers, spécialement via la marque Huawei, on va dire, voilà, en partenariat, je préfère ce mot, partenariat avec Huawei, Huawei va prendre en charge l'édition des coupes de certains magazines qu'on va sélectionner. Par des photos, des lifestyle blogs signés avec des interviews, etc. Et de l'aventure que le lifestyle blogger a eu. Donc elle sera médiatisée, elle sera aussi sous forme d'affichage, signée par
des lifestyle bloggers. On va essayer de découvrir la Tunisie et de faire découvrir la Tunisie selon les médias libres aujourd'hui à travers vous. C'est ça, Marlène, le message qu'on veut véhiculer. Ça va. Du coup, donc, ça va être une première. Ce n'est pas une finalité. Ça ne va pas être one shot. Non, pas du tout. C'est un rendez-vous périodique, cher papa. Non seulement en Amérique, mais en termes d'activité, en termes de ce que les lifestyle bloggers peuvent suggérer à la marque Huawei. Et on est là pour avoir un partenariat durable. Ça, Manager Com, début de concept qui va être lancé d'ici moins d'une semaine. Manager, le temps que la plateforme sera prête, nous allons vous communiquer. Vous call l'adresse de la plateforme. Bien sûr, en termes de médias, nous allons prendre en charge les médias. Tout ce qui va être uploadé sur la plateforme va être sponsorisé sur les Facebook, va être partagé sur Instagram, Twitter, etc., etc. Donc, vous parlez d'une belle propagande. Le tourne via vos photos et via le final de l'instant. Du côté technique, bien sûr, forcément, on veut donner à tout le monde une chance égale, on va dire. Donc, des restrictions, pas le mot restriction, mais en fait, ne pas modifier la photo via Photoshop, etc. Voilà, Tarak va vous parler un peu plus en détail. Femme a quelques restrictions, mais je m'attire. La chance, une chance égale à tout le monde, un champ d'action égal à tout le monde. Je l'escolte par l'escolte, elle y contribue de manière de cœur en fait. Indépendamment des cadeaux, qu'il y aura un vainqueur, voilà. Mais de rassembler les photos de Paul dans un vernissage, des habitudes professionnelles, etc. Non, pas du tout. On a des jeunes talents. Moi-même, je découvre, franchement. Je découvre des très 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 belles photos de gens talentueux. Ellie, je pense ensemble on peut avoir un résultat more than expected, comme on dit, Inch'Allah. Et ce n'est que. Bigger than life. Voilà. Donc je laisse la parole à Tarek pour vous expliquer un peu de côté technique. Oui. Alors, homme de radio, tellement pas choisi, voilà. اول حاجه باش نحكيو على لا فوتوغرافي شي هواوي من قبل مع هواوي وقت اللي تحكي على البوزيشنمون تاعهم لا فوتو عندها بلاصه كبيره برشا كان تذكروا دوبوي معناها البي 6 لاحظنا اللي لي فوتو اللي تاخذهم بالهواوي تلقاهم التريتمون تاعهم الي بلو دو اقل معناها فيه كونتراست بوسي كل شيء نلقاهم اون جينيرال في لي زاباري فوتو تاع لي زوتر مارك À partir du P8, la Hadna Lifama a vraiment une grande évolution. Qui fait Awalan PD avec une technologie qui était hors du commun, il y a les capteurs RGBW. Les capteurs en général, c'est des capteurs RGB, qui ont les trois couleurs primaires à Tahao. Et bien, Huawei Warta, c'était parmi les premiers listables, les capteurs RGBW, listables, fait des appareils Kbar, Frim, Arlé, Shratel W, il y a pour White, Tralit Sao, Fouvlen, Trier. J'avais fait un test en comparant plusieurs téléphones du marché. Le P8 est un lien, mais Ahsan les téléphones. En plus, les stabilisations optiques à l'époque, mais c'est cool, je crois qu'il y a des stabilisations optiques, mais elles ne se valent pas. Alors, à la stabilisation, ça dépend de quand le capteur peut bouger, de quand il peut compenser. Huawei, elle avait le record de compensation parmi tous les opérateurs de téléphone. Je ne sais pas si Huawei ou LKV, je ne sais Huawei. Pour eux, la photo, c'est très important dans le téléphone. Elle est au centre de leur proposition téléphonique. La plupart des téléphones de Huawei sont des photophones avant tout. Mais un peu plus classique, mais super bien réalisé. Un capteur 16 mégapixels. BSI, Backside Illuminated, qui m'a un peu mais super bien réalisé. Mais en santé, elle n'a pas de problème. Le chagrin, Huawei, comme en fait, ils font en général, avec des liens dans le domaine, mais où je te fais la photo directement, là où j'ai des partenaires, il y a un peu de temps, ils ont un rendu de terrain. Pour m'attendre à un niveau avec leur technicité, ils disent, mais je m'en fous de la photo, je m'en fous de la photo, donc, créer un extra de technologie. اللي معناها موجودة عند إنسان يخدم عنده مدة طويلة على الفوتو باش ينجح
مثلاً حتى les électroniciens Sony, Panasonic, Olympus à l'époque, دوبا دخلوا في الفوتو شعملوا Sony شريت مينولتا خاطر ما عندهمش تكنولوجي اوبتيك ما يعرفوش بكدا في الاوبتيك دونك ils se rapprochent من عند عبيد اللي عندهم savoir faire dire باش يقدموا لي le choix d'Huawei n'est pas des moindres اختاروا دارك بيتاليك سيسر معناها اختاروا لايكا quand même لايكا c'est ceux qui ont démocratisé la photo. À l'époque, les rangefinders, comme les rangefinders, les petits appareils, et les firmes ont un viseur incorporé, où les tâches ont bien à voir que les reporters de rue, qui se terminent pour Philippe, Osiris et Roubaix, et bien, Leica a une expertise, mais je ne sais pas trop ce les objectifs Leica, qui est un objectif Nikon, qui tourne autour semi-professionnel, il tourne. C'est une réalité que vous connaissez. Il tourne autour de 1 500 à 2 000 dollars chez la Ben un Leica c'est 15 000, 20 000, 25 000 dollars. Ça n'a absolument rien à voir. Chnou a jeté Leica l'Alpina. Voilà Chnou a jeté l'Alpina. Ah voilà la hâte à l'Alpina il a déjà deux appareils photo en fait incorporés. Allez, chauffe maintenant. On va l'avoir de courir. On a deux appareils photo. Le HTC. HTC, c'est un appareil. Puis un appareil photo cuir, où il faut choisir. C'était le M8. Le M8, c'est un peu l'appareil photo signalèche. Tu as une règle trigonométrique, Pythagore, qui a deux points, et toi, je vous laisse les points. Tu peux calculer la distance. Donc, en fait, si bon, quand tu as un miroir, tu as un réflexe, et il y a cette distance, tu as deux appareils photo, il y a cette distance. Vous voyez que ça a en mise au point, mais surtout, il y a un que tu peux simuler un effet de profondeur de champ. Maintenant, on a le sujet de lui, ou le background de terre, on a un peu de point. Donc, je suis au point, et là, pour le sujet. C'était ce qu'ils avaient essayé de faire. Essayer d'imiter le rendu des appareils réflexes avec un arrière-plan flouté. Mais ça n'a pas été très très réussi. Google fait d'arba sghira, une réponse. Google Camera, et tu fais exactement le même effet. C'était pratiquement pas très intéressant. Femme d'autres qui ont essayé, mais elle a raté qu'on t'a vachement un arme de voir exactement. Et c'est très intelligent. Moi, les capteurs, c'est que c'est des très petits capteurs. Ça y est, un capteur aussi, tu as 12 mégapixels ou 16 mégapixels, les photos aussi, tu as vraiment, fissa, l'insir litre de ta lumière, tu as su la polybruité, tu as 400, 500 ISO, tu as su la polyhala. Et bien, moi, j'ai une fécra, et pour le coup, je fais le capteur chenille. Un capteur, je fais un fécra, les capteurs téléphoniques en général, je fais un mais les capteurs, finalement, une couche de là où il y a noir et blanc, il faut avoir une couche de les couleurs, la colorimétrie. Sauf que tu as le couche pour couche, c'est une lumière. Là, c'est la quantité de lumière et le capteur aslani. Ce qui fait que la couche de couleur, là, c'est la qualité de la savoir de terre. Je suis un Huawei ou un Leica. Je suis un Leica. Je suis un capteur noir et blanc. Il y a une couche et une couche Zéda. Mais je n'ai pas un super beau grain. Il y a 1000 ISO fait noir et blanc, là où c'est l'équivalent de 400 ISO fait un capteur fait des couleurs. Le grain il est plus beau, les contours ils sont plus nets. Lyon, avec la technologie, la superposition des photos, on est tout à fait capable d'amener le grain, le capteur noir et blanc, ou les couleurs, le capteur couleur. Ce qui fait, j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai le grain d'un capteur monochrome, ou en même temps les couleurs, les belles couleurs d'un capteur couleur. Mais là déjà, c'est un avantage. Et un avantage pas des moindres. Peut-être que je stabilisation. Le P8 fait stabilisation, le P9 sans stabilisation. En plus, le P8 il était à f2.0. Je m'arrête à journée, l'ouverture de f2. Ou le P9 il est à f2.2. Je vais aller à en fait, je vais là. Ah voilà. بالنسبه للدوز ابار فوتو يخدموا دو مانيير سينكرون باش نجم انا جو سوبربوز دي ايماج رابيدمون مي لازمش يكون عندي لو كومبورتمون الياتوار دون ستابيليزاسيون جو نسوي با سيرتان
اللي ستابيليزاسيون هنا وهنا باش تاخذ فرد الطريقه هاوك علاش نحا لا ستابيليزاسيون بالبناء خاطر وقت على سوبر بوزيشن تولي فيها كل الغوستينغ الهالوز اللي دايرين وتصويرها تولي ما عادش مزيانه دونك هما ils ont décidé la stabilisation comme une stabilisation électronique qui devient de plus en plus intelligente صحيح باش تنخذ une stabilisation optique mais de toutes les manières اليو انا m'arrêter à 1 sur 17 et les photographes le savent c'est déjà trop bas معناها اي سوجي كي بوج ان تي بو 1 sur 17 il va être flou les photographes les bons on l'a été à 1 sur 50 1 sur 40 c'est très difficile on n'a pas besoin de descendre donc de toutes les manières un 28 mm 1 sur 17 c'est déjà largement suffisant انا متاكد ان الريزونمون هذا جا من عند لايكا لايكا ils savent ce sont des photographes il faut lequel اليوم la stabilisation كي باش تهلك لي بروجيكتور c'est pas la peine هذا ان بوان هيبر امبورطون شنو زادت اخر la double caméra. Vous avez la possibilité à nous qui m'assure de faire le M8, la HTC, mais pas les arrières. Là, j'ai d'abord une certaine profondeur de champ. Mais elle a bien expliqué que c'est des gadgets. Mais à la fin, ma bête, ça peut les intéresser. Mais je pense que l'Ahnanay, c'est plus des photographes. Et les photographes, c'est pas ce qu'ils cherchent, hein, les effets composites. Ce qu'ils cherchent, c'est que Rana a un vrai capteur monochrome, mesdames et messieurs. Mais il y a une rareté sur Rana Mokromich. Tu ne trouves plus des capteurs monochromes. Tu sais, chez les appareils monochromes, tu es chez Leica, ou tu es chez le moyen format. Ou tu es chez l'Argentique. Mais un vrai capteur monochrome, là où ça n'a rien à voir avec le mode monochrome, il y a un petit téléphone. Il y a un capteur fil des couleurs, ou tu as une désaturation. Ce n'est pas le même contraste, ce n'est pas le même micro-contraste, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Tu ne peux pas appliquer des filtres de couleurs à l'homésienne. Tu as un vrai capteur monochrome. C'est le capteur monochrome. La dynamique est plus grande. Avec le blanc, le noir, il y a beaucoup plus de temps. Donc la dynamique est plus grande, la sensibilité est meilleure. C'est extraordinaire le rendu que tu as. La différence. C'est sensibilité, il y a le capteur noir et blanc et le capteur couleur est de 3 temps. Maintenant, un capteur d'un qui a 200 ISO fil couleur, c'est l'équivalent de Kadesh 200 x 2, 400, 400 x 2, 800, 800 x 2, 1600. C'est une très très grande différence au niveau de la sensibilité. Donc, on ne revient pas sur le choix super judicieux d'être avec Leica et surtout d'utiliser. Le capteur monochrome. Et l'état, je me sens à l'ouard, là, je me sens à un capteur monochrome tout seul. Alors, je me suis dit, prends-toi, offre la tête. Leica est connue aussi pour sa colorimétrie. Marouf à Leica, elle maîtrise super bien les couleurs. Donc, qui traite à suivre la marmoule à Leica, il faut d'abord les objectifs qui sont extrêmement beaux, mais très complexe, les formules optiques, donc il y a un barcha ou un flou très. Très manière, comment dire, crémeux. Leica, c'est Leica. Mais un autre qui est une couche et un savoir-faire, c'est les couleurs. Et la colorimétrie qui a été incorporée, le P9, c'est une colorimétrie étudiée par Leica. Manière, même si moi j'avais trop le corps, c'est des accords commerciaux, c'est pas vrai. La colorimétrie colle très bien à Leica. Où l'objectif a été validé par Leica. D'ailleurs, il porte même la dénomination sous-marine. Sous-marine, ça veut dire F2.2. Donc, c'est clair et net que Leica, oui, je décris une fiche, je le recherche, je le machin, je le faire, et le pinaille. D'ailleurs, ça va, c'est les deux lenses, ils sont exclusifs. Exclusivement pour Huawei. La formule optique pour Huawei, exactement. On a trois modes de couleurs, super beaux. Tel cas, on a dit certainement, fait d'autres appareils. Mais avec le mode saturé, les haboubas charbet, les paysages, mais mahouche, on a pu saturer, je m'en ai les couleurs filles, en intensité. Mais je m'en ai des couleurs mahrouking. Et Leica maîtrise super bien cela, qui fait que je pousse le contraste et les couleurs et la saturation, mais les couleurs mahrouking, je l'histogramme. Et ça, c'est hyper important. Et là, je trouve que le rendu JPEG, le rendu JPEG. Mahouche que les fake, mais Mahouche qui ont des couleurs anormales, non naturelles, c'est des couleurs très naturelles et qui répondent aussi, les appareils Leica à une colorimétrie qu'ils connaissent. Donc, c'était juste pour parler un petit peu de ce qui a été rajouté, le P9. Je rajoute juste un truc, le P9 à l'LP8 Z Haja Okhra,
Z, un laser.